pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur My Fishing 80. Et maintenant, on est en 2024. Bon, bah, c'est toujours Yann, j'ai pas changé. Hein. Vous en êtes rendu compte, je pense. Ben, bonne année 2024, hein. Je vous l'ai déjà souhaité, mais je renouvelle mes voeux. Et puis, il y a une bonne saison 2024. Et là, ça va faire du big et puis de la grosse bourriche. Avant de commencer, merci aux fidèles abonnés. Eh, franchement, eh, vous savez que quand je réponds à tout le monde, hein, vous en êtes rendu compte, hein, eh, je passe du temps, hein, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, sur la chaîne, c'est super, on progresse ensemble, voilà. Eh, allez, je passe une dédicace à l'équipe. Allez, dédicace, c'est parti. À Olivier, bah oui, Olivier, en plus, il fait du fish avec ma canne. Dan, Dani, Jérémy, Jacques, Fred, Dominique, Aline, Sylvain, Quentin, Marc, Philippe, Jean-Noël, Jackie, Alain, on pense à vous. Luc, Francine, Elodie, André, Cédric, Didier, Don Carpillo, oui, bon, bah, il commence à avoir l'habitude. Et Bernard, Ludovic, Denis, Yann, bah oui, puis bah, mon gourou aussi, maintenant il est abonné. Et Francis, Marie, Céline, François, Vincent, Eric et Greg. J'en ai oublié plein. Mais je pense à vous quand même. Voilà, allez, on va démarrer l'année dynamique comme d'habitude. Bon, alors là, j'ai reçu des commentaires assassins parce que ça n'a pas plu la dernière sortie avec mon gourou. Hein. Bah ouais, on n'était pas à l'écluse à faire des grosses bourriches. Donc ben moi, je vais y aller à l'écluse. Voilà. Ouais, c'est pas un exercice que j'aime particulièrement. Hein. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut faire de la grosse bourriche. Si tu passes la journée à l'écluse, la bourriche à 10 kilos, c'est garanti. Hein. Et sans amorce de trucs mûches, machin. Hein. C'est juste que le fish, il est regroupé là. Donc il n'y a pas besoin d'être un champion du monde ou de je sais pas quoi pour faire 10 kilos là-bas. Hein. Moi, je vais y aller, je vais les faire. Je vais vous montrer. Le courant à l'écluse, avant, il n'y en avait pas. C'est comme si tu pêches dans un aquarium. Les grands champions, ils vont faire des grosses bourriches dans l'aquarium. Bon, bref, là-dessus, je garde mes réserves. Hein. Mais, ouais, moi je vais y aller. Et je vais vous montrer que n'importe qui peut faire du fish. Hein. Et je vais pas y aller avec ma nouvelle canne, mon pack 13 mètres. Je vais y aller avec une canne qui coûte 50 euros. Même moins de 50 euros. Qui fait 8 mètres. Bon, je vous avoue qu'elle est incassable. Hein. Elle est assez lourde, mais ça casse pas. Et moi je suis sûr que je vais faire du fish. Parce que vous avez vu mon gourou, le matos qu'il a. La station indestructible, fait avec des morceaux d'échafaudage. Ouais, de toute façon, ouais, c'est un sorcier. Dès que mon gourou il pose sa station par terre, le fish il fait oh la vache, il y a le gourou. Vite, 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 faut qu'on trouve sa boule champignon. Puis il dévore tout. Mais demain, j'y vais en mode faire du fish. J'ai été contacté par un abonné, Dan, qui habite dans l'Est, qui me dit ouais, ton pack. Il est, ouais, c'est un investissement, tout ça. Et j'en suis conscient. Hein. Ma femme m'a fait plaisir, aussi parce que je travaille beaucoup. Bah oui, hein. Il y a ça aussi. Hein. Parce que, bah ouais, pourquoi je pêche en semaine? Parce que moi, j'ai jamais de week-end de libre. Hein. J'en ai entre 10 et 12 par an. C'est pour ça que je fais pas les concours. Et demain, mode faire du fish. Pinky, gozer. Rien d'autre. La dernière fois, le gourou, il a ramené du fouillis. C'était pas prévu, hein. Je vais finir un sac d'amorce sur la journée. Un sac d'amorce que j'ai rempoté la dernière fois que j'ai foutu au congèle. Bah là, il est encore un peu dur. Il se dégèle tout doucement. C'est l'amorce que j'ai utilisée au canal dans le courant. Il y a de la terre, il y a tout ce qu'il faut. Je vais juste ouvrir ça. Peut-être remouiller un peu, faire des boules. Des boules en forme de champignons, comme le grand gourou a expliqué. Parce qu'il y a un peu de courant, puis je voudrais bloquer le fish à 8 mètres. Et bam! Et là, je suis sûr que... Carton. Allez, on verra ça demain. Mais qu'est-ce qui se passe? On est au silo, il n'y a personne. Bon, vous voyez pas encore le silo parce qu'il fait noir. Il est quelle heure? Il est 7h50. Voilà, je suis au silo. Bon, moi, je suis le premier. Hein. Ici, il faut venir tôt hein, si tu veux faire du fish. Et puis, surtout, avoir une place. Hein.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Yann, t'as sorti quoi comme canne? Mais t'as craqué ou quoi? La vache! C'est une canne que j'ai achetée 49€. Une fois en solde. Bon, elle fait 8 mètres. Hein. Je crois qu'on la trouve plus dans le commerce. J'en suis tellement content que j'en ai racheté une, j'ai trouvé sur le bon coin. La deuxième, j'ai payé 25 balles. Et vous allez voir ce qu'on va saquer avec ça. Bon, ben voilà, c'est parti. J'ai fait une coulée à vide. Enfin, avec une neige quand même. Hein. Mais avant d'amorcer, il y a quand même beaucoup de courant. Hein. Donc pour l'instant, j'ai peut-être pas le bon flotteur, je vais voir. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Il hein. y a du courant, donc le gourou, il a dit boule champignon. Ben, moi, je fais des boules champignons. Hein. Voilà, allez, 6 boules champignons, puis c'est parti. Là, c'est objectif la grosse bourriche. Hein. Faut que ça fasse du plouf. Ça fait venir le fish. Ah non, sans déconner, c'est la moitié du... Enfin, le bruit, c'est la moitié. Hein. Allez, là, ça va saquer dedans. Bon ben, allez, on fait la science des appâts. Bon ben, ça c'est Magic Pelé nouvelle recette là. Du blé avec du chêne vie, bon ben ça sort régulièrement du congèle. Hein. Oh, des asticots de chez Cyril, ceux-là, là. Poisson, il en raffole. Des Pinky de chez Cyril. Ouais, ce matin c'est plutôt Pinky qui marche bien. Des asticots noyés, puis voilà. J'ai pris un peu de terreau du composteur là. Voilà. Bon ben là, on va être bien. Pas oublier, hein. Voilà la bonne adresse là si tu veux faire du fish. Allez, coucou Cyril. Voilà, vous allez chez Cyril, puis en même temps vous prenez votre carte de pêche 2024. Puis si vous savez pas où la prendre, faut la prendre à la Roche Dorée de Boves. C'est une très bonne idée. Voilà, aujourd'hui j'utilise deux lignes. Ça c'est un flotteur maison forme bouteille. Ça c'est un cassable. C'est du sapin. Il est hyper stable, elle a quille, elle fait 1 mm. Vous ne trouverez pas ça au magasin. Hein. C'est une quille inox 1 mm, c'est moi qui l'ai fait. L'antenne, c'est de la fibre. Ça tape. Donc ça, c'est du 1,5. Puis après, j'ai une boule en 3 grammes. Parce que, ouais, il y a déjà du courant. Voilà, c'est pour freiner, et puis c'est une ligne à glisser. Moi, bon, ça va, les deux marchent très bien. Ça, c'est maison, moi, c'est Bibi qui l'a fait. Hein. La plombée, c'est pareil, hein. C'est pas une plombée mytho. Hein. Voilà, plombée principale, 10 cm, un plomb de touche. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans la vidéo. Ah, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses, bon ben voilà, j'arrête là. Il est 17h, 6h30 de pêche, 133 poissons. Bon, les 10 kilos, je pense que je les ai. Hein. Et c'était, le but de la vidéo, c'était, il n'y a pas besoin de mettre cher. Hein. Là, Dan, te prends pas le chou. Hein. Là, j'ai pêché avec une canne à 49€, des asticots, il n'y a pas de fouillis là. Là, c'était juste Pinky et Astico. J'ai fait du beau fish. Bon, allez, je vais vous présenter quelques fish. On a fait du beau gardon. J'ai fait des plaquettes. Aux plaquettes, hein. Ouais, un peu plus gros. Hein. C'était sympa. Puis après, bah, gardon, rotangle. Voilà, je vais me faire éclabousser là.
Eh, du beau gardon de la Somme, hein. Bien en forme. Hein. Ici, c'est un garde-manger. Eh, broché, tu m'étonnes. Au rotangle. Eh, du beau poisson, hein. Voilà. Ça, c'est dans le canal. Hein. C'est accessible à tout le monde. Hein. N'importe qui fait ça ici. Il hein. Bon, y a du plus petit, hein. Y a pas que du gros. Hein. Voilà, il y a des calibres comme ça. Voilà. Mais non, c'était bien. Eh, beau gardon, ça. Hein. Bon, là, tu sors l'épuisette. Allez, on pèse. Oh, vache. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ouais, j'ai 11,2 kg. Ouais, avec la tête d'épuisette, il y a 11 kg. 11 kg de fiche. Le thème de la journée, en fait, c'était pour vous montrer que n'importe qui peut faire 10 kg. Voilà. Quand tu es à l'écluse, tout le fiche est regroupé là. Bon, on a eu des trous, je pense qu'il y avait des brochets qui sont venus perturber un peu la fête. N'importe qui peut le faire. Eh, t'es pas obligé d'avoir un pack avec 15 kits. Hein. Voilà. Donc ça, moi j'en ai deux. Parce que j'en ai acheté une au magasin. La première, je l'ai payée 49 euros. C'était une promo. Hein. Au lieu de je sais plus combien, 70, un truc comme ça. C'était une fin de série. Du coup, j'en étais content. Bah, ma femme, elle pêche aussi avec, tout ça. C'est sympa, c'est pas trop lourd. Alors du coup, bah, j'ai recherché et j'en ai trouvé une deuxième sur le bon coin. Là, je l'ai payée 25 euros. Donc, parce que j'ai pas deux kits. Hein. C'est juste que je prends deux morceaux de canne, voilà, pour faire des kits. Donc ouais, Dan, te prends pas le chou. Hein. Le fish, il va pas te juger. Hein. Là, moi, je pêchais à 8 mètres. Bah, c'est, avec mon pack, j'aurais pêché à 10 mètres. Mais non, c'était sympa. L'amorce, bon, c'est l'amorce, bah, c'est le reste de la dernière fois. Hein. J'ai craqué un sac, j'ai rajouté des zèches et bon, un petit peu d'additif. Hein. Bah, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bon ben bah, voilà, c'est fini. Bah, je me suis bien amusé. J'ai fait du beau fish, bien vigoureux. Eh, vous avez vu la taille des gardons. Non, c'est sympa. Mais ici, c'est un lieu de tenue. C'est-à-dire que le poisson, il passe l'hiver ici. Ici, tu fais 10 kilos, t'es pas un héros. Hein. Il faut pas croire tout ce qu'on vous montre dans les vidéos. Parce que là, en ce moment, il y a plein de vidéos. Bah, c'est simple. Hein. Si vous voyez des bateaux garés ou une péniche, c'est simple. Hein. C'est que c'est un port et tout le poisson est regroupé là. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura bien plu. Ah, je vous l'avais dit, hein, ça va pas être la vidéo où tu rêves la nuit, hein, voilà. C'est accessible à tout le monde. Et pour pas cher. Parce que ouais, ma chaîne, le concept, c'est pêcher sans se ruiner, faut pas l'oublier. Hein. Là, avec une canne à 49 balles et une à 25. Et si c'est trop cher, faut aller vers l'occasion. Hein. Et vous regardez si les éléments ils sont en bon état, que c'est pas fissuré. Et moi, là, à 25 euros, elle était neuve. Hein. Voilà. Le gars, il dit ouais, j'ai acheté ça, il croyait que c'était une canne télescopique. Donc j'ai rien dit. J'ai dit ah ouais. Il dit oh ouais, faut reculer derrière, moi je sais pas faire tout ça. Ben, j'ai dit ben moi je sais faire, donne. Voilà, je vais donner 25 euros en liquide et puis c'était réglé. Voilà. Perdez pas ça de vue. Ben, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Franchement, ouais, je passe du temps pour vous. Hein. Voilà, voilà. Et là on était au silo de Corby. On était en semaine, donc c'était pas la grosse affluence. Puis en plus il y avait du vent. Hein. Ah, je sais pas si vous avez vu le clapot sur le bassin, mais bon, là j'ai pêché dans la bassine. Hein. Voilà. Bon, faut quand même faire venir le fish. Hein. Bah, écoutez, gardez la pêche, amusez-vous bien. Bonne pêche à tous, bonne saison. Hein, et à bientôt.